Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Press. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission axée sur le décryptage de l'actualité par le professionnel des médias qui sont avec moi sur ces plateaux. Et avec eux, nous allons évoquer la question des élections. La CENI a publié la liste provisoire des candidatures déclarées recevables. Au total, 24 dossiers des candidatures ont été jugés recevables et conformes à la loi. C'est félicité Denis Kadima, président de la CENI. Et on attend cette fois-ci la Cour constitutionnelle qui doit trancher l'affaire en dernière position et puis publier la liste définitive qui interviendra le 18 novembre, soit un jour avant le début officiel de la campagne électorale. Entre-temps, des velléités sur l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi persistent encore, malgré la pression, malgré tout ce qui est raconté au niveau du Katanga. On sent encore des velléités sur l'invalidation de cette candidature. Le site d'information lecongoqu'onaime.com est revenu là-dessus. Il a évoqué des réunions nocturnes qui se multiplient du côté du pouvoir pour invalider la candidature de Moïse Katumbi. Et dans cette émission, nous allons devoir nous pencher sur cette affaire de manière assez profonde. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. On parle depuis un moment de la montée en puissance du groupe d'autodéfense Wazalendo qui a réussi à récupérer plusieurs localités qui étaient conquises par les rebelles M23. On va aussi évoquer la question de la nomination au sein de l'armée, mais aussi de la promotion en grade de certains officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. On signale également le retour au sein de l'armée de l'ancien colonel et aide de camp de Laurent Désiré Kabila. Il s'appelle Eddy Capen, qui est nommé à titre exceptionnel. Il va donc commander la 22e brigade militaire au niveau du Haut-Katanga. Quelle lecture faites-vous de cette réintégration d'Eddy Capen dans l'armée? Nous en parlons avec les professionnels des médias qui sont avec moi sur ce plateau. Ils sont deux en attendant. Le troisième qui doit nous rejoindre incessamment. Le premier, c'est un fils maison. Il est directeur des programmes de Perfect Télévision. Il s'appelle Merveille Baelenge Irenge. Bienvenue, cher Merveille. Merci beaucoup, Hervé et Thomas. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission. Lorsque le DG Peter Tiani lui-même la présente, tout comme vous. Exactement. Je suis content d'être en face de mon ami et frère également, que je vais vous laisser d'ailleurs le privilège de le présenter parce que c'est vous le présentateur. Je salue également tous les fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision et de Perfect Press. Vous avez annoncé des sujets importants et ici sur ce plateau, nous avons des éléments. Des éléments, nous sommes là en fait pour éclairer l'opinion parce que si on laisse passer tout ce qui arrive maintenant, le pays risque de sombrer davantage. Très bien, on va revenir à vous pour en savoir un peu plus oui. Sur les éléments en votre possession. Le deuxième invité, mesdames et messieurs, c'est aussi un journaliste, il s'appelle, ou on l'appelle en privé, le chouchou des filles. Ben KMB de Face Télévision, bienvenue cher Ben. Merci beaucoup Hervé pour cet honneur. Je reviens pour la deuxième fois sur ces plateaux. Je vous remercie beaucoup, vous m'associez à cet échange patriotique. Je salue aussi mon frère Merveille Baelenge. Merveille Baelenge Irigué. Ça fait longtemps qu'on s'est revus. Ces plateaux me donnent l'occasion de les revoir. Mais je ne peux pas quand même laisser ça. Nous sommes journalistes et nos chouchous. Comme vous le dites là, ben, après, s'il y a des ceux qui nous admirent, ben, c'est une bonne chose. L'abondance des biens ne nuit pas. On l'accepte, mais nous sommes pas, on ne peut pas accepter d'être caricaturés comme tel. Sinon, ça jetterait du discrédit sur notre analyse, notre façon de voir les choses. Les gens diront, ben, écoutez, celui-là, c'est un coureur des jupons, mais comment il réfléchit politique. Mais je pense que, merci beaucoup, vous n'êtes pas dans le lot des journalistes qui manquent de chemises. Non, non, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il y a des ceux qui pensent avoir les monopoles des revenus, il y a des ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de l'évolution, sinon de la stabilité. Eh bien, je pense qu'on a connu mieux qu'eux
En RDC, il y a des gens qui ont fait la pluie et les beaux temps, mais ils sont passés. C'est que les autres font. Ils n'ont jamais parlé de leurs revenus. On n'invente pas la roue existe. Sur cette terre des hommes, il n'y a personne qui invente la roue existe. On ne fait que vivre ce que les autres ont vécu avant. Mmh. Eh bien, je vais conclure pour dire que si on nous appelle pauvres, nous, on a notre avenir. Mais si ils sont riches, eh bien, ils n'ont que le passé. Très bien. Place au débat. Merveille Bailengue, vous avez la parole pour ces premiers thèmes de l'émission. Des élections, la CENI a rendu publique la liste provisoire des candidatures déclarées recevables pour l'élection présidentielle. Vous avez longtemps, quand je parle de vous, c'est-à-dire les journalistes qui ne partagent pas l'avis du pouvoir en place, vous avez longtemps diabolisé le président de la CENI, Denis Kadima. Vous l'avez accusé d'être à la solde du pouvoir, qu'il était là pour satisfaire ou pour s'incliner à toutes les demandes venant du pouvoir en place. Et là, Kadima vient de vous prouver le contraire. Il vous prend à contre-pied. Vous l'avez pointé du doigt accusateur de vouloir invalider certaines candidatures, notamment celle de Moïse Katumbi et de Matata Ponyo. Et Kadima nous dévoile la liste de toutes les 24 candidatures déclarées recevables et il s'en félicite. Selon lui, ces candidatures respectent la loi. Alors, tant mieux, mais moi, je suis journaliste spécialiste des questions politiques et je peux vous garantir que la politique, c'est un jeu dont l'enjeu est le pouvoir. Et je sais que je ne cesserai de le dire également que Denis Kadima est dans le jeu du pouvoir. Parce que vous n'avez qu'à analyser comment Denis Kadima est arrivé là où il est. En temps normal, Denis Kadima ne serait pas président de la CENI. Tantôt, il était le candidat de l'église kimbanguiste. Et puis après, les faits nous ont démontré le contraire. Et aujourd'hui, nous avons un Denis Kadima qui valide tout les candidats. Moi, je sais que aujourd'hui, selon les câbles, s'il faut que je le dise ainsi, Denis Kadima, en fait, a simplement cherché à voiler la face, nous voiler tous la face, pour que l'on croie à ce processus électoral, alors que la Cour constitutionnelle est là pour faire le sale boulot. Qui ne sait pas que Dieudonné Kamouleta, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, le pasteur, le pasteur, bon, ça c'est vous qui le dites, a reçu, c'est un pasteur, ce n'est pas moi qui la mission de mettre hors d'état de nuire deux candidats président de la République. Vous avez les candidats. Il a reçu cette mission de qui? Cette mission, permettez que j'évolue. Allez-y. Vous avez de l'autre côté Moïse Katumbi et Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon avec le procès, l'affaire Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle se permet de revenir sur son propre arrêt. Alors que il est clair, il est dit clairement que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Sont inattaquables. Et opposables à tous. Et opposables à tous. Mais nous avons vu dans ce pays la Cour constitutionnelle revenir sur l'arrêt contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Avec Moïse Katumbi, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais écoutez, il existe un plan. Je l'ai lu sur un site d'information. Un site d'information. lescongoconaime.com. Voilà. Et beaucoup ont écrit. Il existe un plan. Et Perrault Louard est revenu là. Là moi, aussi. Je ne cite pas Perrault Louard. Moi, je vous dis qu'il existe un plan d'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Cette mission a été confiée à Dieudonné Kamouleta, le président de la Cour constitutionnelle. On parlerait, je mets ici au conditionnel, d'une réunion, d'une réunion qui s'est tenue, qui a rassemblé les deux casadis du gouvernement, les deux casadis du gouvernement, le professeur Mbata, on parlerait également
De la ministre de la Justice. De la ministre de la Justice et de autres frères Tshisekedi autour de. Ça, je mets ça entre guillemets, je ne préfère pas citer ce nom-là, pour étudier la possibilité d'invalider la candidature de Moïse Katumbi. Et pour y arriver, ils ont décidé de faire jouer le jeu à deux candidats président de la République. On a cité Théodore Ngoï et Rex Kazadi. Pour aller, en fait, se plaindre auprès de la Cour constitutionnelle sur l'authenticité des documents de M. Moïse Katumbi. Parce que dans la loi, il est dit qu'après la CENI, si l'un des candidats conteste en fait l'authenticité des documents d'un des candidats, il est possible que la Cour constitutionnelle réévalue. Et s'il savait que ces contestations sont vraies, sont fondées, le candidat sera invalidé. C'est ce qui est prévu, c'est ça le schéma. C'est ce que tout le monde dénonce aujourd'hui. Je ne suis pas le premier à le dire, presque tous les médias en parlent. Et c'est très dangereux parce que Dieudonné Kamoulé, j'ai comme l'impression que le président de la Cour constitutionnelle veut plonger le pays dans le chaos. Dans le chaos plus que le chaos de 1991, vous vous en souvenez. Il veut plonger le pays dans le chaos. Aujourd'hui, si ce plan machiavélique s'est concrétisé, croyez-moi, le pays risque d'être, en tout cas, de tomber dans le chaos total. Vous avez Matata Ponyo aujourd'hui, techniquement parlant, ça devient pratiquement impossible que sa candidature soit invalidée. Mais avec ce régime, tout est possible parce que si ils se permettent de revenir sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, à plus forte raison, un dossier qui est en cours comme ça, accélérer en fait le processus, bâcler le procès pour arriver très vite à une conclusion et créer une interprétation. Parce qu'en temps normal, ça devient impossible. Parce que l'inéligibilité d'un candidat se constate au niveau du dépôt de la candidature. Et Matata Ponyo, lorsqu'il a déposé sa candidature, il jouissait encore de ses droits, n'est-ce pas, de vote. Son casier judiciaire était vierge. Mais avec ces gens, ils sont capables, à la fin, de venir avec une interprétation. Une question avant de passer la parole à Ben. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous êtes en train de coller à la Cour constitutionnelle ou à son président, Dieudonné Kamoulé? Parce que, sauf erreur de ma part, je crois que la loi le dit clairement. Après la publication de la liste provisoire, le candidat ou la personne qui trouve qu'il est lésé a le droit de saisir la Cour dans un délai de 48 heures. La CENI a publié sa liste depuis jeudi, je pense, dans la nuit. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je n'ai vu, en tout cas, aucun candidat se plaindre de cette liste. Mais pourquoi vous revenez encore sur les noms du pasteur Théodore Ngoï et de Rex Kazadi qui sont candidats président de la République aussi? Nous sommes des journalistes, des journalistes d'investigation, n'est-ce pas? En même temps, nous sommes des analystes politiques. Ça, il faut sachez que nous avons nos câbles. Nous avons nos câbles et nous ne sommes pas d'ailleurs le premier à les dénoncer. D'autres confrères l'ont fait, des médias en ligne, des sites d'information. Ici, il ne s'agit pas d'un procès d'intention, mais il s'agit plutôt de l'alerte. Nous sommes en train d'alerter. Nous alertons et vous allez voir que la Cour constitutionnelle viendra avec une rubrique qui va vous surprendre. Même s'il n'y a pas plainte. Je vous dis que cette Cour constitutionnelle, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, a reçu comme mission d'exécuter
Il a reçu cette mission d'équipe. Exécuté. Moi, je l'ai suivi une fois sur les plateaux, je crois, de Marius Munga, dire qu'il n'a aucun lien avec le chef de l'État. La première fois pour lui de les rencontrer, c'est lorsqu'il est nommé président de la Cour constitutionnelle. Une fois, l'actuel président de la Cour constitutionnelle a dit ceci, que lui, ce n'est pas un fils de... ce n'est pas un fils de l'UDPS, mais il est né dans l'UDPS. Ah bon? Il n'est pas membre de l'UDPS, mais il est né dans l'UDPS. Donc, le sang de l'UDPS coule dans ses veines. Les images existent. Nous, journalistes, s'il veut, nous allons sortir les archives. De la même manière que le président de la CENI l'avait dit. Quelqu'un a dit dans un média, et je crois qu'il a raison, vous avez le président de la CENI, M. Denis Kadima, avec des liens, il a des liens avec le pouvoir, avec le président Tshisekedi. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui est censé sécuriser le processus électoral et de l'UDPS, M. Peter Kazadi. Vous avez la ministre de Justice qui est censée faire le suivi, n'est-ce pas, également de ce processus. Madame Rose Mutombo et de l'UDPS. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamouleta, qui est arrivé là-bas dans les conditions que vous connaissez. On a fait tomber les professeurs Kalouba. Vous savez, on faisait les tirages au sort. Avant même que les tirages au sort ne soient faits, on connaissait déjà qui allait partir. C'était connu de tous. On savait déjà que M. Kalouba va partir. Pourquoi? Parce qu'il a dit le droit. Il a dit clairement que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyomapan. Donc c'est pour dire que très bien. Le lien est déjà placé pour nous foncer davantage, mais qu'il sache que les Congolais ne les laisseront pas faire. Ben Kayembe, quand la CENI a publié sa liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection présidentielle, on était tenté de croire que cette fois-ci, la CENI va jouer la carte de l'inclusivité. Mais à entendre les révélations faites par Merveille Bayelenge, on a l'impression comme si le décor est déjà planté pour enfoncer davantage ce processus qui est déjà décrié par plusieurs acteurs politiques. Merci beaucoup. Faites bien de poser cette question. D'abord de parler des 24 candidatures retenues, il faudrait ici, parce que vous avez dit qu'il y a un plan de diabolisation, comme quoi on a jeté du discrédit sur le travail fait Denis Kadima, il faut le rappeler. Ce que nous faisons chaque fois étant journaliste, ce n'est pas de jeter de l'opprobre. Les journalistes restent factuels, nous restons collés aux faits. Vous exactement. Savez, les faits sont sacrés, les commentaires peuvent varier à n'importe quel moment, mais les faits restent sacrés. Aujourd'hui, j'aimerais ici revenir un tout petit peu en arrière, même si Merveille Bayelenge a parlé des circonstances qui ont amené Denis Kadima à ses postes. Il faut rappeler ici que moi, personnellement, je ne fais que suivre Denis Kadima dans son calendrier. Denis Kadima a promis le déploiement des machines le 15 septembre. Nous ne l'avons pas obtenu. Il a promis qu'il devait y avoir 26 000 machines pour venir compléter les pays qui sont ici. Denis Kadima n'a même pas une date fixe auxquelles ces machines doivent arriver. Il a promis au mois d'octobre, aujourd'hui nous sommes les 21. Dans quelques jours, ce serait la fin du mois d'octobre. Et pourtant, parlant de ces mêmes machines, Denis Kadima a promis que pour reconfigurer les machines et déployer les machines, il faudrait une période de 60 jours. Il précise une période de 60 jours non compressible. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en deçà de ces 60 jours prévus par son calendrier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes les 21, nous devons avoir les élections les 20. On ne sait plus avoir 60 jours pour reconfigurer les machines et pour faire un déploiement. Et aussi, il faut le noter qu'ici, la CENI n'a pas les moyens logistiques pour faire le déploiement. Il y a encore des contraintes. Il y a un ministre qui a pavané toute l'Europe jusqu'à arriver au Canada pour rencontrer l'entreprise qu'on appelle Bombardier pour solliciter comment la RDC pouvait ne serait-ce que louer les avions. Vous voyez une entreprise sérieuse comme ça venir faire un deal avec la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'on sait que nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas respectueux des contrats. On ne le fera pas.
Aujourd'hui, on négocie avec la MONUSCO. La CNI, d'ailleurs, a fait le tour des Nations Unies pour solliciter qu'on oblige, qu'on appuie en tout cas cette demande à la MONUSCO. Eh bien, on a dit niette. Pourquoi? Parce que le discours du chef de l'État a blessé. Lorsque le chef de l'État a dit qu'on demande en tout cas qu'on accélère ces retraits de la MONUSCO, ça a un tout petit peu lésé. Aujourd'hui, on demande que la MONUSCO nous aide à faire les déploiements. Or, on ne couvre pas les élections que pendant la période de déploiement. Vous le savez, si aujourd'hui la MONUSCO doit nous aider, il doit être avant, pendant et puis après. Parce qu'après, il faut ramener les machines, il faut ramener les bulletins et tout ce qui va avec ici à Kinshasa. Donc, solliciter d'une part le départ accéléré, de l'autre côté la CENI bitée par un problème logistique, tout ce que nous voyons là laisse quand même perplexe. Ça veut dire que nous avons de quoi se poser des questions. D'où même l'inquiétude de nous, journalistes qui réfléchissons. Aujourd'hui, Denis Kadima vous dit que la liste, parce qu'après les dépôts, lorsqu'on a clôturé les dépôts de candidature, on a dit que la Cour constitutionnelle a jusqu'au 18 novembre pour publier la liste définitive. Pourtant, selon le calendrier de la CENI, la campagne commence le 18. Peut-on commencer la campagne le même jour où on publie la liste définitive, même si on doit décaler le début de la campagne? Généralement, la campagne nous prend un mois. Exactement. Si aujourd'hui on commence la campagne le 18, on doit les finir le 18, on aura, ce serait un certain vendredi parce qu'on va voter le dimanche. Eh bien, on va voter un certain mardi ou mercredi, je pense. Non, ça tombait un certain dimanche, normalement. Normalement. Sauf le 20 décembre. J'ai vérifié. On va vérifier le 20 décembre. Mais vous imaginez comment le processus est très serré. Et que si on commence la campagne le 20, parce qu'on publie, il faut réfléchir, on publie aujourd'hui, les candidats savent qu'ils sont retenus comme candidats le 18, est-ce qu'ils pourront commencer les mêmes jours? Ça veut dire qu'ils vont perdre les 18, la journée du 18. Or, en un mois, il est pratiquement impossible de parcourir toute la République démocratique du Congo. Donc, il faudra avec septembre qu'on connaît perdre déjà et puis déjà avec Congo qui ne fonctionne pas. Moi je trouve d'ailleurs que ça, c'est une crise bien voulue parce qu'aujourd'hui, on doit quand même laisser cette crise comme ça parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter que Congo soit puissant parce que tous les acteurs politiques, tous les candidats auront la facilité, auront la mobilité facile. Aujourd'hui, on accepte que cette crise-là soit persistante comme ça, comme elle est. Mais je reviens ici avec la CENI. Tout ce que nous décrions ici, nous porte à croire que la CENI ou Denis Kadima, avec son discours, n'inspire pas confiance. Un Denis Kadima qui ne sait pas aujourd'hui, à quelques jours des élections, à quel hauteur il est financé. Eh bien, Denis Kadima tâtonne. Il sait combien il lui faut pour organiser les élections, mais il ne sait pas, jusqu'aujourd'hui, à quel hauteur il est financé. Combien il lui reste? Je me demande comment il fait la pression au gouvernement pour solliciter les restes d'argent, d'autant plus qu'il ne sait pas à quelle hauteur il est financé. Il avait dit récemment que la CENI faisait recours désormais à des prêts bancaires. Bien évidemment, ça, on est quand même journaliste. La CENI jouit d'une autonomie financière. Il peut aujourd'hui contacter des prêts au nom du gouvernement et le gouvernement va rembourser ça. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais ici, je reviens par rapport aux révélations faites par Merveille ici. Je me pose des questions. Peut-être que ceux qui ont reçu mandat, comme l'a dit Merveille, auront peut-être la chance de me suivre. Je me pose la question. Aujourd'hui, les certificats de nationalité présentés par Moïse Katumbi portent la signature d'un officier de l'État. Alors, je me pose la question, non seulement que ça porte la signature d'un officier de l'État, mais le chef de l'État, lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, l'a dit dans les zones des médias internationaux. Il a dit, j'ai instruit au service de remettre les passeports à Moïse Katumbi parce que c'est un Congolais. On ne vante pas la roue existe, les images sont là, les archives sont là. Et qu'aujourd'hui, la CENI a reçu. Parce que les critériums pour déposer les candidatures ne viennent pas de la Cour constitutionnelle. Ça provient de la CENI. Si la CENI aujourd'hui estime la loi électorale, si aujourd'hui la CENI estime que les documents lui présentés sont véridiques, la CENI a eu le temps d'éplucher les dossiers. La CENI n'a pas récupéré les dossiers. Kadima l'a même rappelé hier dans son discours, lorsqu'il lançait la campagne de sensibilisation aux élections. Il a été clair, il a dit, toutes les candidatures sont conformes à la loi. Bien évidemment, ça veut dire qu'il a reçu tous les dossiers qu'il faut pour la candidature. Moi, j'étais là le dimanche lorsqu'on clôturait. Il y a des candidats qu'on a refusés. Il y a certains qui sont venus sans tel document, sans casier judiciaire. Il a payé son argent, là, déjà, mais il est venu sans casier judiciaire. On a refusé la candidature. Mais tous ces 24, d'ailleurs, le communiqué de la CENI est clair. On stipule là-bas
que les numéros des candidats peuvent être déjà distribués dans leur base. Ouais. On peut déjà... Ça veut dire que pour la CENI, il n'y a pas un problème, il n'y a pas d'irrégularité. Et qu'aujourd'hui, si on doit revenir sur un prétendu invalidation de Moïse Katumbi, on doit d'abord demander des explications à Félix Tshisekedi. Comment vous êtes arrivé à dire que Moïse Katumbi, c'est un Congolais? Parce que le chef de l'État ne parle pas vaïkevaïk, il a reçu les renseignements venant de ses services. Si le chef de l'État, il doit nous donner des explications, parce que c'est lui qui a dit, l'officier qui a signé les documents, les certificats de nationalité de Moïse Katumbi doit être arrêté alors. Ouais. Comment on justifierait ça qu'aujourd'hui Moïse Katumbi a un certificat de nationalité, mais c'est le service qui a délivré, c'est un service habilité à le faire, reconnu par les instances de la République. Un service comment légitime et légal. Aujourd'hui, on va parler d'un prétendu encore invalidation de Matata Mponyo. Mais c'est assez demandé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un arrêt qui condamne Matata Mponyo? Il n'y en a pas. Parce que les faits, je ne suis pas juriste, mais on parle quand même de cette affaire de cristallisation des faits. Et que si aujourd'hui, la Cour, avant le 18 novembre, il n'y a pas un arrêt qui condamne Matata Mponyo, je ne vois pas comment on va refuser la candidature de Matata Mponyo. Même si il y aurait... Parce qu'il n'y a pas de fait rétroactif. Même si il y aurait un arrêt après ou pendant, avant le 18 décembre... Le 20 décembre. Le 20 décembre, l'inéligibilité se constate au moment du dépôt. Et au moment où Matata Mponyo déposait, son casier judiciaire était vierge. Donc, ce débat-là ne devrait pas avoir lieu. Donc, par là, j'aimerais dire ici que même si on a confié une mission à la Cour constitutionnelle, je ne vois pas comment ils vont le faire. Moi, j'aimerais ici demander... Vous savez, aujourd'hui, les gens crient partout, il faut s'y faire à longueur de journée, comme quoi l'opposition sollicite un dialogue. Mais non, c'est les pouvoirs qui, aujourd'hui, foncent vers un mire. Et qu'aujourd'hui, parler des conciliabiles pour voir ou des tractations pour voir comment invalider les candidatures, ça va encore attiser les faits. Aujourd'hui, en RD, c'est parce que vous sollicitez de ces mêmes leaders un dialogue autour de la table, eh bien, vous allez encore chercher une prétendue invalidation, mais avec qui vous allez vous retrouver autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, invalider Moïse Katumbi, c'est le renvoyer vers Kabila. Parce qu'aujourd'hui, le Katanga sera en fait. Invalider Matata Mponyo, vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas ici. Le Katanga serait en feu. En 2018, on a invalidé Jean-Pierre Bemba. On n'a pas vu les Équatoriens. Menacer les institutions. Je vous dis, ce n'est pas la même configuration qu'aujourd'hui. C'est quoi la différence? Aujourd'hui, nous assistons à un régime qui a déçu totalement. Et le régime Kabila n'avait pas déçu? Kabila, tu sais qu'il n'a pas trouvé ces pays comme Kabila l'a trouvé. Je parie même que si on avait reçu Félix Tshisekedi en 2001, comme Kabila est arrivé, aujourd'hui, on ne parlerait pas de République démocratique du Congo. Avec la volonté de s'enrichir que ce régime a, on ne parlerait pas de la République démocratique du Congo. Je ne vois pas Kabila accepter de manger ensemble 1 plus 4. Je ne vois pas Félix Tshisekedi de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il a du mal à accepter le leadership de certains. Aujourd'hui, on essaye, on se bat, on a sous-traité Noël Tchani, on a sous-traité Noël Tchani à gauche, on a sous-traité Tsini Pouloulou à droite, on a tout tenté. Aujourd'hui, on nous dit que la loi des Congolités est réceptionnée, mais n'est pas encore alignée. Il se pourrait que ça soit aligné par les moyens de pression. Les moyens de pression. Ça veut dire qu'à tout moment, que Moïse Katumbi essaie de bouger, vous allez entendre des déclarations comme quoi le président de l'Assemblée nationale doit aligner tout ça. On essaye de toucher les points de pression. Moi, je pense que ici, on ne devait pas opter pour un chemin qui va embraser ces pays. Je pense qu'il faudrait ne serait-ce que faire un semblant de démocratie pour qu'enfin, cet élan qu'on a eu depuis 2018, qu'on ne puisse pas le perdre. Très bien. Mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, vous suivez votre émission Perfect Télévision qui passe en direct. J'ai reçu sur ce plateau deux invités, mais à vous qui envoyez des messages selon lesquels les débats est à sens unique, je vous rassure qu'on avait invité quatre journalistes sur ce plateau. Merveille Baelengue a répondu présent, Ben Kayembe également, mais malheureusement, Siméon Issako, qui devait nous rejoindre jusqu'à la dernière minute, n'a pas toujours dit le motif de son retard ou de son absence. Je ne sais pas vous dire pourquoi il n'est pas là. Il y a aussi Pi Gérard qui devait être avec nous sur ce plateau, mais aux dernières nouvelles, il est malade, il ne saura donc pas nous rejoindre sur ce plateau. Souffrez donc de suivre un débat à sens unique. Merveille Baelengue, je reviens à vous.
Vous évoquez des velléités d'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi et peut-être de Matata Ponyo aussi. Question, Félix Tshisekedi s'est dit aujourd'hui fier de son bilan. Il a réalisé énormément de choses. D'ailleurs, des anciens collaborateurs de Kabila qui l'ont rejoint estiment qu'en 4 ans, Félix Tshisekedi a fait mieux que Kabila en 18 ans. En quoi Moïse Katumbi serait-il l'obstacle à la réélection de Félix Tshisekedi qui s'est dit détenteur d'un bilan très élogé? D'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Cette émission n'est pas à sens unique. C'est le téléspectateur qui le constate. Pas moi, en tout cas. Moi, j'estime pas des politiques entre journalistes. S'il vous plaît, nous sommes journalistes. Les amis qui ne sont pas là, je ne connais pas les raisons. Pour Puy Gérard, vous l'avez dit. Oui, Puy Gérard m'a fait savoir qu'il est malade. Écoutez, Siméon, par contre, n'a pas signalé le motif de son absence. Il ne peut pas cesser d'être ou d'exister parce que Siméon n'est pas venu. Non, ça, c'est une émission. C'est un rendez-vous avec les téléspectateurs et le respect, par respect pour les téléspectateurs. Il faut toujours fixer l'opinion. Vous savez ce qui se passe avec le service du monitoring du CESAC. Il fallait toujours fixer l'opinion. Très bien, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, en quoi Katumbi serait-il l'obstacle à la réélection de Félix Tshisekedi? Écoutez, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que le bilan de M. Tshisekedi est négatif, largement négatif. Moi, pour démontrer, pour en faire la démonstration, je compare toujours les bilans de M. Tshisekedi au bilan de M. Matata Ponyo sous Joseph Kabila. Parce que vous allez dire que Tshisekedi a fait 4 ans, n'est-ce pas? Matata Ponyo aussi a été ministre pendant 4 ans. Premier ministre. Non, voilà, premier ministre pendant 4 ans. 4 ans et demi, donc presque 5 ans. Sous Joseph Kabila, comme président de la République. Voilà, donc, à l'époque, Matata Ponyo nous a presque tout donné. A presque tout donné à Tshisekedi. Donc Tshisekedi a presque tout trouvé. Tshisekedi a trouvé Congo Airways. Et aujourd'hui, Ben vient de le dire ici. Nous ne pouvons même plus nous rendre à l'intérieur du pays parce que Congo Airways est en faillite. J'ai bien dit en faillite. Nous n'avons même plus un avion qui est opérationnel aujourd'hui. Nous avons eu Transco avec Matata Ponyo. Matata Ponyo est venu avec une société de transport. Avec Transco, il a en fait ajouté Esprit de Vie, un projet où on donnait des crédits. Et tu sais qu'il a ajouté Transacadémie. S'il vous plaît, aux particuliers. Il ajoute New Transkin, que vous avez connu à Kinshasa. Tshisekedi vient avec Transacadémie, mais en réalité, Tshisekedi n'achète aucun bus. Tshisekedi prend les bus Transco de Matata, d'autres qui sont arrivés sous Bruno Tshibala, si je ne me trompe pas. Il repeint, il prend, il les stocke à l'Assemblée nationale. Alors que Matata, non seulement qu'il vous crée une entreprise, mais il vous crée également on appelle ça comment, les entrepôts. Est-ce que là il faut parler des entrepôts ou bien le siège, n'est-ce pas? Il crée également les sièges. On savait que les bus Transco chaque matin nous venaient de Kinshasa Nyasuka, n'est-ce pas? On savait que d'autres bus, par exemple, nous venait de Matadi Kibala. Mais aujourd'hui, Transacadémia, en tout cas, les bus dorment à l'Assemblée nationale. Vous imaginez? Je poursuis. Matata Ponyo, en fait, vous construit l'immeuble intelligent. Avant cet immeuble, les ministères étaient des locataires. C'est-à-dire que chaque fin du mois, le gouvernement déboursait, l'État congolais déboursait de l'argent pour payer les loyers. Aujourd'hui, si vous allez à l'immeuble intelligent, vous allez trouver plus de 10 ministères et quelques secrétariats généraux, si je ne me trompe pas, juste en face, à la place royale.
les immeubles existaient, Matata Pogno réhabilite ces immeubles-là. Il y a beaucoup de ministères là-bas. Le ministère des Sports, de l'Environnement, vous avez le ministère des Développements Ruraux, vous avez le CESAC qui est là-bas, la Cour constitutionnelle de Dieudonné Kamouleta est là-bas. Revenez sur ma question. Non, non, je suis en train de vous faire, de vous démontrer combien Tshisekedi a lamentablement échoué. C'est sous Kabila que le boulevard du 30 juin là a aujourd'hui 4 bandes aller, 4 bandes retour. C'est sous Matata Pogno qu'on a vu des locomotives. J'ai vu quelqu'un mettre les images d'archives dans les Haut-Katanga avec Matata Pogno et Moïse Katumbi à l'époque, gouverneur de la province du Grand Katanga. Mm-hmm. Nous avons vu ça. Sous Matata, le 10, si je ne me trompe pas, de chaque mois. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Je réponds à votre question. Vous avez demandé. En quoi Moïse Katumbi serait l'obstacle à la réélection de Félix Tshisekedi? Mais je suis en train de vous répondre. Soyez calme, soyez patient. Non, on n'a pas tout le temps. Hervé et Thomas. Aujourd'hui, en fait, ce qui est sûr est que Moïse Katumbi, c'est un manager. Moïse Katumbi l'a démontré. Vous savez, avant qu'on vous confie les grandes responsabilités, l'on doit d'abord vous tester dans les petites choses. N'est-ce pas? J'ai bien dit dans les petites choses. Moïse Katumbi a eu à diriger. Je vous donne deux exemples. Moïse Katumbi a managé le TP Mazembe. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le TP Mazembe est, en tout cas, le seul club congolais le plus titré, en tout cas, du pays. Et au niveau de l'Afrique, en tout cas, le football congolais a atteint un niveau exceptionnel. Vous avez sa gouvernance au niveau du Haut Katanga, à l'époque, le Grand Katanga, quand il était gouverneur. N'est-ce pas que dans les vidéos, M. Vital Kamerhe est allé là-bas dans une activité, je ne sais pas si c'était une matinée politique ou une conférence, il a dit que tous les gouverneurs devraient aller au apprendre la bonne gouvernance. La bonne gouvernance au Katanga chez Moïse Katumbi parce qu'il n'en revenait pas. Ce qu'il a vu là-bas, c'était excellent. Alors, un monsieur comme ça qui a quand même prouvé. Qui a prouvé de quoi il était capable dans les petites choses. Pourquoi ne pas confier le pays à Moïse Katumbi? Et Matata Pogno, même comme je vous ai expliqué, en tant que premier ministre, c'est la rigueur. J'ai beaucoup aimé Seth Kikuni lorsqu'il est allé déposer sa candidature à la CENI, au sorti. Il a essayé un peu de résumer tous les opposants. Mais de Matata Pogno, il a parlé de la rigueur. Ce pays, très bien. Permettez que je termine. Je sais que Siméon est là. Vous êtes pressé d'accorder la parole à Siméon, mais les retardataires ont toujours tort. J'ai beaucoup aimé ce que Seth Kikuni a dit. Il a dit que la rigueur de Matata Pogno inspire. Ce pays a besoin de quelqu'un qui a de la rigueur. Parce qu'on constate aujourd'hui comment est-ce qu'on détourne l'argent. L'argent de l'État, avec les dossiers RAM, avec Chile Gelou, vous avez les conseillers du chef de l'État qui détournent et il y a de l'impunité partout, dans chaque entreprise, il y a des détournements et des détournements. Il nous faut quelqu'un qui puisse canaliser les recettes de l'État. Au moment où nous parlons, au niveau de la DGI, les gens ne sont pas payés. Mais il y a un ministre des Finances qui vous parle des recettes et tout. Au niveau de la DGDA, le même problème. On a besoin de quelqu'un qui viendra, qui va respecter les échéances. Les fonctionnaires se plaignent. Le dollar aujourd'hui, les dollars, vous le changez. Moi, avant de venir ici, j'ai changé à 25. 10 dollars équivaut à 25 000 francs congolais. Alors que Matata Pogno, pendant au moins 4 ans, a laissé le dollar à 92. Voilà. Très bien. Ce que je peux dire. Donc, Tshisekedi, pour moi, ne mérite pas. Ne mérite pas de continuer. Il a servi ce pays. Il reste sénateur à vie. Qu'il aille au Sénat comme Joseph Kabila. Très bien. Il vient de nous rejoindre en grand retard. Il s'appelle Siméon Issako. Il est des cas d'info. Bienvenue à vous, cher Siméon. Merci, Hervé. Je suis désolé pour
je ne sais pas si les grands ou les légers retards. Très grand retard. L'émission commence à 16h juste. Ah, ok. Vous êtes arrivé ici pratiquement avec 45 minutes de retard. 45 minutes de retard. Je suis en tout cas désolé, j'étais sur un autre plateau. On a un peu débordé. Voilà. Mais sinon, déjà l'entrée de ce studio, je suis 30 fois de la bouche d'un journaliste qui a sens, Matata Ponyo, un journaliste. J'ai eu l'impression que j'étais face à un Thierry Ferrer, vous allez m'excuser. J'ai eu l'impression que j'étais face à un djaléliste. Vous êtes en face d'un journaliste. J'ai eu l'impression que j'étais en face d'un communicateur, des, comment encore les parties de Matata Ponyo, LGD. Comment on appelle, LGD. En fait, j'ai eu l'impression que j'étais en face d'un politicien, sauf un journaliste. Je ne sais pas si c'est Matata Ponyo qui l'a en train de vanter, c'est celui-là qui a détourné l'argent des Congolais dans l'affaire Bukangalonzo, je ne sais pas. La justice n'a pas encore certifié. Je ne sais pas si c'est Matata Ponyo qui l'a en train de vanter, c'est celui qui a détourné l'argent qui a été destiné à la... comment on appelle encore cette opération, zaïrianisation, voilà. Je ne sais pas si c'est de celui-là qu'il s'agit. Je ne sais pas si c'est celui qui a mal géré les BCECO, je ne sais pas. En tout cas, s'il parle de notre Matata, je vais accepter. Mais s'il parle de celui-là, donc je comprends que mon frère est amnésique et que... il fait maintenant le jeu des politiciens, il n'est plus journaliste. Donc il devrait arrêter de se proclamer journaliste. Il n'est plus. Alors laissez-moi il vous. Il a parlé de Moïse Katumbi, il a dit qu'il est, il est manager. Moïse a géré les Katanga, Moïse. Mais moi je me rappelle que c'est sous l'époque de Moïse Katumbi que la Gécamine est tombée en faillite. Aujourd'hui on ne parle presque plus de la Gécamine. La Gécamine n'est pas une entreprise à vocation nationale. Je dis, c'est sous l'époque de Moïse Katumbi que la Gécamine est tombée en faillite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a créé ses sociétés à lui, qui jouaient pratiquement le même rôle que la Gécamine. Et parce que la Gécamine avait pour bastion les Katanga, voilà pourquoi cela a favorisé la faillite de la Gécamine, la chute de la Gécamine. C'est sous Moïse Katumbi qu'on n'a plus parlé de la SNCC. Sous Moïse Katumbi. Il a créé des sociétés de transport privé, monsieur. Il ne faut pas l'oublier, ne soyez pas amnésique. Il a créé des sociétés de transport privé. J'ai encore oublié les noms parce que je ne devais pas retenir les noms de ces sociétés-là. Il a fait tomber l'État en faillite au profit de ses intérêts privés. Et c'est ces messieurs-là qui méritent de diriger la RDC. Vous pouvez me dire, ne serait-ce que 10 km réhabilités ou construits par Moïse Katumbi, 10 km de route. Alors, gouverneur au Katanga, vous pouvez me le dire? Une route réhabilitée ou construite par Moïse Katumbi? Vous posez la question? Il se pose des questions. Non, je lui pose la question. Non, vous n'en avez pas. Si vous avez des réponses. Pose des questions. Si vous avez des réponses. Non. Si vous avez des réponses, vous pouvez les donner pas à mon profit, mais au profit des téléspectateurs qui nous suivent. Je ne réponds pas. Parce que visiblement, tu fais la campagne pour Moïse Katumbi et Matata Ponyo. La campagne n'a pas encore commencé. Oui, la campagne n'a pas commencé, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Je ne réponds pas à vos questions. Tu as intérêt de le faire. Tu as intérêt de le faire au profit de ceux qui te suivent. Exprime-toi. Au profit de ceux-là qui peuvent vouloir donner leur voix à Moïse Katumbi. Parce que tu es en train de faire campagne pour Moïse Katumbi. Je suis serein, calme, parler. Et donc, tu es incapable de dire, de démontrer aux Congolais que Moïse Katumbi à réhabiliter ne serait-ce que 10 km de route sous sa gouvernance. Plus le construire, il ne l'a pas fait. Et c'est celui-là qui vous voulez qu'il dirige les Grands Congos. Non, les Grands Congos. Nous parlons du Grand Congo. Ce n'est pas l'équipe de football, ce n'est pas les TP Mazembe. Nous parlons du Grand Congo. Encore qu'aujourd'hui, les TP Mazembe est en faillite. Je suis... Je soutiens les Mazembe, c'est mon club. Mazembe qui est et donc, parmi les clubs, les week-ends. Il faut raconter, il faut arrêter de raconter des inepties sur ce plateau. Il faut arrêter de raconter sa vie sur un plateau de télévision.
Alors, laissez-moi vous... C'est un plateau sérieux et des Congolais sérieux qui sont plus intelligents que nous, nous suivent, monsieur. Alors, laissez-moi vous poser la question. On débattait sur un sujet. Merveille Baïling avait fait une révélation selon laquelle... Bon, pas sa révélation. Il a relayé l'information publiée par le site d'information Le Congo qu'on aime, qui fait savoir qu'il y a des réunions nocturnes qui se multiplient dans les camps au pouvoir pour invalider la candidature de Moïse Katumbi Tshapwe. La Cour constitutionnelle est mise en jeu pour passer à l'action. Alors, on reproche finalement quoi à Moïse Katumbi, dont le passeport lui a été remis sur instruction du président de la République? Est-ce un problème de nationalité toujours, ou il y a un autre problème qui échappe peut-être à la connaissance des Congolais? Le passeport lui a été remis par le président de la République. Ça, sur instruction du président de la République. Sur instruction du président de la République, ça, c'est pas mon problème. Gims a les passeports. Gims a le passeport congolais, mais est-ce qu'il est congolais? Non, il est congolais, mais comment ça? Vous n'êtes pas informé. Gims n'a jamais changé de nationalité. Il n'a jamais changé de nationalité. Mais non. Il a le passeport. Il est le passeport diplomatique. Diplomatique, je peux prendre l'exemple de l'artiste Van Damme. C'est ça. Il a notre passeport, mais un passeport diplomatique. S'il vous plaît, il n'est pas congolais. On connaît comment ça se passe. Tu as parlé des médias, c'est lesquels encore? Lescongoqu'onaime.com. Les Congo qu'on aime. Vous savez, actuellement, les politiciens sont en mesure de créer un média, commencer à diffuser leurs informations dans ces médias-là. Moi, j'ai vu les partisans de Katumbi. Avant la publication de la liste provisoire par la CENI, je les ai vus crier au complot, à la conspiration contre Moïse Katumbi. Ils disaient que Denis Kadima avait reçu des instructions, des injonctions venant du chef de l'État pour qu'il invalide la candidature de Moïse Katumbi. Peut-être qu'ils ont voulu comparer Kadima à Corneille Nanga. Malou. Bon. Heureusement que les faits ont prouvé le contraire. Sa manière d'agir n'est pas pareille à la manière d'agir de ses prédécesseurs. Lui, il est cartésien, il est dans sa logique à lui, parce qu'il veut préserver son image, il veut préserver sa dignité. Et donc, on a raconté des choses. En définitive, Moïse Katumbi n'a pas été invalidé. Ben, moi, je comprenais que c'était une sorte de pression qu'on voulait faire sur la CENI. Mais ceux-là qui faisaient la pression sur la CENI ont oublié que la CENI n'a joué que le rôle administratif de réceptionner, traiter à son niveau et déclarer recevable dans la mesure du possible. C'est ce qui a été fait. Si la CENI voulait invalider la candidature de Moïse Katumbi, comme certains Thierry Ferrer l'ont rencontré, je vais dire. La CENI n'allait pas renvoyer la délégation de Katumbi qui était venue, je ne me rappelle plus les jours, n'allait pas renvoyer la délégation de sorte que celle-ci aille chercher les originaux. Si réellement il y avait les intentions d'invalider Katumbi au niveau de la CENI, elle pouvait garder ces pièces amenées en photocopie et lors de la publication de la liste provisoire, dire que la candidature de Katumbi n'était pas recevable simplement parce qu'il avait amené des pièces en photocopie au lieu d'amener des originaux. Mais la CENI pouvait se servir de ça pour invalider Katumbi, déjà à son niveau. Par volonté, par souci d'inclusivité, par souci de transparence, par souci de voir tout le monde compétir, la CENI a renvoyé la délégation de Katumbi. Allez-y nous chercher, les originaux, revenez. Et donc, tout ce qui criait au complot, tout ce qui criait à la conspiration contre M. Katumbi, ont été seulement revêtus par la honte. Maintenant, après que la CENI ait fait son travail, celui de l'administration, travail administratif, c'est maintenant à la Cour constitutionnelle de faire le travail qui se rapporte à la loi. Nous dire qu'effectivement,
ces documents n'est pas un faux. C'est un document vrai. La légalité, à ce stade, c'est la Cour constitutionnelle. La CENI est là. Il reste à la Cour de faire son travail, celui de la légalité. Eh bien, si le candidat, tu sais qu'il a fait entrer un document qui n'est pas vrai, qui est faux, c'est à la Cour de nous dire que la pièce introduite par Tshisekedi n'est pas vraie. C'est une fausse pièce. Pareil pour Seth Kikuni, pareil pour Moïse Katumbi, pour Matata Ponyo, et bien d'autres candidats. Délice Sanga, Martin Fayoulou. La légalité, c'est au niveau de la Cour. Donc, il ne faudra pas qu'on soit surpris si Tshisekedi est invalidé, si Katumbi est invalidé, si Sesanga est invalidé, si Matata est invalidé. Parce que nous, en tant que Congolais, nous n'avons pas besoin d'avoir un président fausseur à la tête de notre pays. Nous n'avons pas besoin de voir un délit Sesanga fausseur à la tête de notre pays. Non. Comment il va nous diriger? Parce que déjà lui-même est faussaire. Comment cette Kikoun va nous diriger? Parce que déjà lui-même est faussaire. Vous risquez d'ouvrir une, boîte à Pandore. Non, on est en train d'analyser. On est en train d'analyser. Allez-y. C'est pour vous faire comprendre que la CENI a déjà fait son travail. Maintenant, la Cour va faire. va maintenant jouer sa partition. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de Tshisekedi que la Cour ne devrait pas traiter avec rigueur son dossier. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de Matata Ponyo, de Moïse Katumbi, de Seth Kikuni, de Denis Sesanga, de Rex Kazadi, que la Cour ne devrait pas traiter avec rigueur son dossier. Non. Moi, pour parler peut-être de Moïse Katumbi, parce que je vois qu'il y a la peur dans les ventres. Nous pouvons lire la peur dans les ventres de ses sympathisants, de ses acolytes, de ses cardinaux. Est-ce que la peur, ce n'est pas du côté du pouvoir? Non, ce n'est pas du côté du pouvoir. Ce n'est pas du côté du pouvoir. Parce que depuis le début de ce processus, de traitement, d'abord réception, puis traitement des candidatures à la présidence, à la présidentielle, ce n'est que les camps de Katumbi qui s'agitent. Conspiration, complot. Seul le camp de Katumbi s'agite. Mais justement parce que ces rumeurs sont révélées par ceux qui sont proches du pouvoir. C'est pas ça le problème. Ils ont voulu faire pression à la CENI. Malheureusement, quasiment prouvé le contraire. Très bien. Ils veulent maintenant faire pression à la Cour constitutionnelle. Cette peur qu'il y a dans le ventre des proches de Katumbi peut aussi nous pousser à nous poser une question. Pourquoi ils ont peur? Est-ce qu'au fond, ils se disent qu'ils ont glissé quelque chose qu'il ne fallait pas? Nous pouvons aussi nous poser cette question-là. Mais pourquoi des réunions? Nous, citoyens congolais, il n'y a pas de réunions. Réunion valider la candidature. Réunion aucune qui préside ces réunions. On cite même deux candidats qui seraient recrutés par le pouvoir. Qui a présidé ces réunions? Déposer une plainte. Qui a présidé ces réunions? Moi, c'est que ce sont des histoires qui se concoctent dans les laboratoires des communications des Katumbi. Et voilà, ils distillent comme ça dans l'opinion. Rien de vrai. Ils se mettent juste à s'imaginer quelque chose dans un bar et voilà, ils lancent dans les réseaux sociaux. Très bien. Rien de vrai. La parole va. On se les dit comme ça. Donc, il y a la peur dans les ventres. Peut-être qu'ils savent qu'ils ont glissé une pièce qui ne convient pas. Peut-être qu'ils savent qu'ils ont glissé, je ne sais pas, un certificat ou une attestation qui ne convient pas. Et alors, ils veulent faire pression sur la Cour constitutionnelle pour que celle-ci ne puisse pas traiter avec rigueur très bien les dossiers de M. Katumbi. Chuté. Mais ils doivent pas oublier qu'il s'agit d'un poste qui ne peut pas être occupé par n'importe qui. Eh bien, si Katumbi est un faussaire, il sera invalidé. Très bien. Si Rex Kazadi est un faussaire, il sera invalidé. Si Matata Ponyo est un faussaire, il sera invalidé. Delice Sanga, tout le monde, même Tshisekedi, s'il a faussé quelque part, il sera invalidé. Et donc, arrêtons ces débats, arrêtons de se victimiser. Ce n'est pas encore le moment. Parce qu'au finish, c'est le peuple qui va trancher, qui va décider sur le sort de chacun des candidats. Très bien, vous avez eu 15 minutes pour rattraper le retard.
Ben Kayembe, fausse alerte, il n'y a aucune réunion, il n'y a aucune intention de vouloir invalider la candidature de Moïse Katumbi. Qu'on arrête la victimisation. Merci beaucoup pour la question. Vous avez cité ici un média. Mm-hmm. Eh bien, de mon côté, je vais faire un effort aussi de vérifier. Je ne saurais pas confirmer. Vous avez ici dit le monitoring fonctionne. Je ne saurais affirmer ce que ces médias écrivent. Mais je vais quand même revenir avant de répondre à votre question. Mm-hmm. J'ai suivi le confrère Siméon, très brillant, qui s'est exprimé. Mais ici, lorsqu'il dit qu'on ne souhaite pas avoir des faussaires, par exemple, à la tête du pays et autres, tout ça, j'ai quand même l'impression, c'est comme si on jetait aussi en pâtir un tout petit peu le travail fait par la CENI. Parce que lorsque la CENI demande à l'équipe qui est venue déposer la candidature de Moïse Katumbi d'aller chercher les originaux, cela veut dire que la CENI, à son niveau, il y a un travail de fond qui a été fait. Mm-hmm. Ça veut dire que la CENI ne recevait pas tout simplement les documents. La CENI prenait aussi le soin de vérifier l'authenticité du document. Comment la CENI pouvait savoir qu'ici, ce ne sont pas les originaux, il faudrait m'amener les originaux. Et que si aujourd'hui la CENI a validé ces gens-là, je crois que les appeler faussaires, ce serait un tout petit peu aussi jeter de l'opprobre sur le travail abattu par la CENI. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé pendant 15 minutes, laissez-les terminer. Nous ne sommes pas. C'est à nous quand même de m'interdire, c'est pas Non, mais je ne respecte pas son porte-parole. Non, je dis peut-être que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire vous-même. La CENI a exigé les originaux. Eux ont amené. Se sont amenés avec les photocopies. Donc, en noir-blanc, il y a quand même les documents en couleur et le document en noir et blanc. Quand on t'exige un document en couleur, tu amènes un noir et blanc. Ça quoi de plus normal que la CENI faisait un travail de fond. Et le seul candidat qui aurait exigé des originaux, c'est Non. Il y a des candidats qui ont exigé. C'est depuis très longtemps. D'ailleurs, parce que vous parlez de documents, je vais révéler quelque chose ici. Moi, j'étais à la CENI le dimanche. Il y a beaucoup de journalistes, des confrères qui étaient là, des consoeurs, le jour de la clôture. Nous étions étonnés de voir Jacquemin Chabani sortir du bureau de la CENI le dimanche. Alors que le président veut déposer samedi. Le samedi. Il y a d'ailleurs un confrère, Dieudonné, je crois que c'est Kaïba ou Kaïnda comme ça, qui lui a tendu les micros. Ben, écoutez, je vais vous offusquer, mais Jacquemin Chabani a couru. Parce qu'on voulait savoir, il avait fait quoi? Est-ce qu'il y avait un problème de dossier, vous êtes passé pour régulariser, et que tous les caméras placées devant lui, eh bien, il a pris fuite. Il n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Eh bien, ces problèmes de dossier, des manquements, de ceci et autres, tout ça, moi, j'ai même vu des candidats qui sont arrivés à 10h parce qu'ils n'avaient pas tel dossier, ou parce qu'il y a par exemple... Le cas de Rex Casadi aussi. Il y a par exemple un monsieur qui est arrivé, qui n'avait pas totalisé les 65 000, il avait payé, je crois, 34. Il est rentré pour aller payer et revenir déposer sa candidature. Mm-hmm. Donc, pour les histoires des dossiers, il y avait quand même... C'est un faux débat. D'ailleurs, on ne peut pas revenir. Parce que ici, si on parle, par exemple, de certaines invalidations, je vous ai dit ici, dans la première partie, qu'on devait même... Il doit y avoir des arrestations. Parce que si aujourd'hui, on retrouve dans les dossiers de Moïse Katumbi un certificat de nationalité signé par un officier reconnu par l'État et que la Cour constitutionnelle nous dit que c'est un faux, eh bien, il doit y avoir des arrestations. Parce qu'ici, Simon Issakoua dit, si le passeport a été donné sur instruction du chef de l'État, là, ce n'est pas son problème. Mais nous sommes Congolais, nous avons voté, le président de la République, il y a de quoi se poser la question. Pourquoi le chef de l'État a dit que c'est sur son instruction qu'il a demandé au service de remettre un passeport à Moïse Katumbi parce que c'était un Congolais. Il y a de quoi se poser des questions. Je ne dis pas, ou sinon le chef de l'État s'est encore une fois de plus trompé. Moi, je n'ai pas dit que Katumbi n'est pas Congolais. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, on réfléchit. Je n'ai pas dit que c'est vous, mais on réfléchit. Parce que vous dites que la Cour constitutionnelle doit travailler et que s'il y a des faussaires, il faudrait que ces gens-là soient écartés. Ah, ok. Donc, mais maintenant, je réfléchis. Je réfléchis. On ne met pas la pression, on n'influence pas le travail de la Cour constitutionnelle, d'autant plus que la Cour reste totalement indépendante. D'ailleurs, ses arrêtés sont imposables à tous. Ici, on réfléchit en tant que journaliste. Parce qu'on a cité les cas de figure de Moïse Katumbi. C'est pourquoi j'ai dit. Si on doit invalider, donc il doit y avoir des arrestations. Parce que c'est l'unique cas cité. Si on veut parler des autres candidats, je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle peut arriver à invalider d'autant plus. Parce que la CENI a même précisé, je l'ai dit ici, la CENI a précisé que les numéros attribués aux candidats peuvent déjà être
afficher, donner ça, distribuer ça aux bases. Mm-hmm. Ça veut dire que pour la CENI, le travail qui a été abattu par lui, c'est un travail de qualité. Ça veut dire qu'à son niveau, il ne voit pas comment la Cour constitutionnelle peut invalider. Parce que si la CENI était dubitative quant au travail fait par lui, il ne pouvait pas mentionner cet aspect dans son communiqué. Mais quand il est dit, donc il met, ça veut dire qu'en quelque sorte, la CENI fait le travail des postes pilotes. Ça veut dire que la CENI dit, à mon niveau, j'estime que tous les candidats n'ont pas de problème et qu'ils peuvent déjà utiliser ces numéros. Parce que si la Cour invalide, on doit voir un changement des numéros. Parce que celui qui est le numéro 20 doit descendre au 19. Dès que tu vas voir Vous savez, Hervé Itoma, rapidement, le langage de Siméon Issako, c'est justement ça. Les langages de tous les talibans, c'est justement ça. Les langages de tous les communicateurs de l'Union sacrée, c'est ça. Les langages. Pourtant, lui, il est journaliste. S'il vous plaît, permettez que je parle. Allez-y. Les langages de tous ceux qui sont dans les complots d'invalidation des candidatures de Moïse Katumbi et de Matata Ponyo. Qui ne le sait pas? C'est quoi que tu bouffes des Matata? Laissez-le évoluer. À chaque minute, laissez-le évoluer. L'invalidation des candidatures de Moïse Katumbi et de Matata Ponyo. Je l'ai dit. Aujourd'hui, qui ne sait pas que ce débat sur le certificat de nationalité est une arme de l'Union sacrée, de l'UDPS, pour premièrement déstabiliser moralement Moïse Katumbi. Moi, j'ai même vu nos amis de l'Union sacrée se référer au certificat de nationalité, hein, au document signé par Tambwe Mwamba à l'époque. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Alors que le président de la République lui-même, vous l'avez dit, il l'a dit à haute voix que M. Moïse Katumbi est congolais et nous savons tous qu'il détient le passeport congolais. Celui qui détient le passeport congolais est congolais. Parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mmh. On ne peut la détenir concurremment avec une autre. Donc, ça ne devrait pas être le débat ici. Et même si Moïse Katumbi avait une autre nationalité, le fait que le chef de l'État ait dit en public que Moïse Katumbi est un Congolais et que il a droit à un passeport, la parole du chef en public vaut loi. C'est-à-dire que quand il dit, on exécute un lieutenant, le président de la République l'appelle colonel par erreur en public d'office. Tu deviens colonel. C'est ça. C'est ce que nos amis doivent comprendre. De l'autre côté, pourquoi j'insiste sur Matata Ponyo? Comment une cour qui prend un arrêt, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires, vous l'avez dit, ne font objet d'aucun débat. Mais la même cour revient sur sa décision alors que la première décision n'est même pas encore tombée. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, Matata Ponyo comparait avec ses humanités. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dès lors que la Cour constitutionnelle prend un arrêt, d'office, les immunités levées sont récupérées. Et les immunités levées, c'était pendant les vacances parlementaires, parce que le Sénat avait refuser la levée des immunités de Matata. Mmh. C'est lorsqu'ils sont allés en vacances parlementaires que Bahati Lukwe Bodan, avec son bureau, il lève les immunités de Matata Ponyo. Et puis, mon ami Siméon Issako dit ici que Matata Ponyo est voleur. C'est sans ces mots. Dans les dossiers à irénisation, mais je vous rappelle que dans les dossiers-là, tout a été vérifié et il a été blanchi. On a contrôlé, on a compris que tout a été payé. Ce dossier-là, d'ailleurs, on n'en parlait plus. Mm-hmm. Dans le dossier Bukangalonzo, c'est en cours, cher Siméon. Je ne sais pas si je dois vous parler en quelle langue. Fausse alerte. Jusqu'à là, il n'y a aucune décision de la Cour constitutionnelle. Fausse alerte, selon Siméon. Mais concernant l'alerte sur Moïse Katumbi, je vous dis que
Il ne veut pas le dire. Il dit que c'est faux. Mais moi, je vous dis que il n'y a pas de fumée sans feu. Nous le savons tous. Quand on essaye de sous-traiter des candidats, certains se sont permis de citer les noms de ces deux candidats-là. M. Théodore Ngoï et M. Rex Kazadi. Parce que, s'il vous plaît, qui ne sait pas que certains candidats n'étaient pas en mesure de payer les 100 000 dollars et que c'est l'union sacrée, entre guillemets, qui a sous-traité, qui a payé les candidatures de certains ici pour qu'à la fin, comme ça, qu'ils essaient de jouer le jeu du pouvoir. Qui ne le sait pas? Rex Kazadi, où est-ce qu'il a trouvé 100 000 dollars? Il vit en Europe, il travaille. Et nous connaissons très bien comment est la vie en Europe. Nos amis de l'Europe cherchent à venir ici. Écoutez, nous savons tous. Et tout est mis en place pour chercher à déstabiliser. Mais j'aimerais insister pour terminer que l'inéligibilité des candidats se constate au niveau de la CENI. Au niveau du dépôt des candidatures. J'insiste sur ça. Je sais qu'il y a des juristes qu'on est en train de payer pour interpréter, je ne sais pas cette procédure-là. L'inéligibilité se constate au niveau du dépôt. Et j'ai aimé Denis Kadima lorsqu'il dit que nous avons vérifié, tout est conforme à la loi. Conforme à la loi. Très bien. Si Kamuleta fait son sale jeu, je l'ai dit, son sale jeu, parce que nous le savons tous qu'il a reçu une mission. C'était un pouvoir indépendant. Il une mission, vous allez donner, nous donner raison. Vous allez le voir, une mission. D'ici peu, vous allez voir les Très raisons. Bien. Siméon Issako, la CENI a fait un travail administratif, purement selon vous, en recevant et en traitant les candidatures. Mais au nom de quoi, Denis Kadima va nous dire que les candidatures déclarées recevables sont conformes à la loi si le travail de la CENI n'était purement administratif? Parce qu'il y a la loi électorale. Okay. Il y a une loi électorale. Il y a une loi électorale. Que ces candidatures-là sont conformes aux exigences de la loi électorale. Est-ce que c'est Denis Kadima qui va vérifier la légalité? La loi électorale a une vocation administrative. Toutes les lois sont conformes à la Constitution. C'est clair. Tu ne vas pas me l'apprendre. Mais oui. Mais maintenant, c'est à la Cour constitutionnelle d'entrer dans la profondeur. Et qu'est-ce que la CENI a fait? Pièce. S'il vous plaît. D'entrer dans la profondeur de chaque pièce. Ça, ce n'est pas le travail qui a été fait par la CENI. La CENI s'est limitée, mais je l'ai dit ici, je me poumonne pour le dire parce que les Congolais doivent le comprendre. La CENI s'est limitée à demander apporter tel document. Par exemple, Bultep, premier CO, tu apportes. Ah, tu as 56%, ok, ça va. On regarde les Bultep, oui, c'est les Bultep, le premier CO. Original, on met des côtés. Apporter les diplômes d'État, tu apportes. Ok, on voit. C'est les normal RDC. Certificat de nationalité, on regarde. Ok. La CENI s'est limitée à faire ce travail-là. Mais le travail de vérifier si les documents sont vrais ou pas, ça c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faudra qu'on comprenne cette ignorance-là. Ça c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle de nous dire qu'il n'y a pas eu faux et qu'on n'a pas fait l'usage de ce faux. Ça, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais moi, je ne comprends pas comment les Congolais, certains Congolais, doivent faire pression sur la Cour constitutionnelle pour qu'elle ne puisse pas faire son travail. Moi, je ne comprends pas le plaisir que nous prenons de vouloir qu'on soit dirigé par un faussaire, par exemple. Je ne comprends pas pourquoi on doit prendre le plaisir de mettre la Cour constitutionnelle sous un régime de pression pour qu'ils ne puissent pas extirper ces candidats qui veulent nous induire en erreur. Mais je ne comprends pas, je comprends pas. Il faut être en tout cas congolais pour agir de la sorte. Il faut être là, se victimiser, se mettre dans un bar, dans un restaurant, écrire des petits messages à distiller dans des réseaux sociaux, dans l'opinion, pour faire voir qu'il y a tel candidat qu'on veut invalider, comme si on invalidait tel ou tel autre candidat aujourd'hui, le Congo va s'arrêter. Non. Vous allez invalider n'est pas conforme avec ne la vous loi. Ne voulez pas. Avec la encore, loi, vous allez le invalider parce encore, que la tête, le problème. Les candidats ne vous arrange pas. Non. La tête de qui?
Et on parle de Katumbi. Pourquoi Katumbi pourquoi la tête de Katumbi? Il serait un obstacle à la réélection de Félix Tshisekedi, un obstacle majeur. Pourquoi Katumbi serait obstacle à la réélection de Tshisekedi? Parce que il a une base bien assise, il a des entrées à l'international. C'est pas Kamuleta qui va décider sur le sort de Tshisekedi ou de Katumbi, non. C'est les Congolais. Ce sont les Congolais qui vont décider sur le sort de tout un chacun. La Cour constitutionnelle ne joue aucun rôle. S'il te plaît. La Cour constitutionnelle, au niveau du traitement, il joue le rôle de la légalité. Au niveau des résultats, proclame les résultats définitifs après avoir vérifié. Et donc, les décideurs numéro un et les décideurs majeurs, c'est le peuple congolais. Katumbi n'est pas un obstacle à la réélection de Tshisekedi. Comment vous voulez que les Congolais puissent élire quelqu'un qui a détruit la GECAMIL, quelqu'un qui a détruit la SNCC, quelqu'un qui a été incapable de diriger... Au niveau de la GECAMIL, s'il nomme des gens qui n'ont pas la compétence pour élever une entreprise, les problèmes de Katumbi, c'est ça. Et aujourd'hui, Tshisekedi a détruit Congo Airways. S'il vous plaît, moi je parle de son passé. Tshisekedi a détruit Congo Airways. Je parle de son passé. Tshisekedi a détruit Congo Airways. Moi, je parle de son passé. Et donc, comment voulez-vous que les Congolais puissent faire confiance à quelqu'un qui a détruit Congo Airways? À quelqu'un qui, tout le temps, va pleurnicher à l'extérieur, qui va accuser ses compatriotes à l'extérieur, dire que voilà, on ne m'aime pas parce que j'ai une peau pareille à la vôtre, parce que mon père était un juif, que mon père n'était pas congolais, c'est pourquoi les Congolais n'aiment même pas. Ah, mais déjà, tu vas nous accuser. Ça veut dire que lorsqu'on va te donner le Grand Congo, tu vas les mettre sous l'emprise de tes frères et sœurs qui ne sont pas des Congolais. Comment les Congolais peuvent donner confiance à une pareille personne? On va terminer l'émission. Donc je pense que Katumbi n'est pas un obstacle à la réélection de Tshisekedi. Je ne vois personne aujourd'hui. Alors, je ne vois aucun opposant être obstacle à la réélection de Tshisekedi, d'autant plus que celui-ci a réussi à relever les défis. On ne supporte pas l'opposition. Il a réussi à relever les défis pendant seulement 5 ans. C'est quoi ces défis? Il a réussi à mécaniser plus de 100 000 Congolais. Plus de 130 000 Congolais. Il a réussi à mécaniser. Pendant 18 ans, pendant 20 ans de règne, Kabila en a mécanisé combien? À moins que je me trompe, 10 000 ou 20 000. À moins que je me trompe. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement des bases. Aujourd'hui, nous avons... la gratuité de la maternité. Siméon peut envoyer son enfant aller étudier là où il y a gratuité de l'enseignement. Pourquoi pas? Avec le niveau de l'enseignement qui pose un sérieux problème aujourd'hui. Quel sérieux problème? Oui, mais lorsqu'il y a des réformes. Lorsqu'il y a des réformes, il faut toujours s'attendre à ces difficultés des débuts. Très bien, on va terminer l'émission. Ces difficultés sont inhérentes à chaque réforme. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons améliorer, c'est déjà en train de subir ces améliorations. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Il y a déjà des bénéficiaires. Je pouvais même me permettre de citer un journaliste qui fait son témoignage partout, mais il ne m'a pas donné la permission de le citer. Une minute à chacun. Je commence à vous, Siméon, vous êtes arrivé en retard. Le président a nommé au sein de l'armée, il a promu en grade, il a nommé aussi Eddy Kappen à titre exceptionnel. En tout cas, c'est un sujet qui défraye la chronique. C'est quoi une nomination à titre exceptionnel? Bon, déjà, il faut dire que Eddy Kappen était radié de l'armée parce que il était accusé, il était condamné. Accusé d'avoir participé à l'assassinat du feu président Laurent Désiré Kabila. Ensuite, 20 ans plus tard, il a été gracié par le chef de l'État qui a décidé qu'au regard de son parcours, il pouvait le réintégrer dans l'armée et puis l'élever en tant que général des brigades. Voilà. Et c'est ce titre-là qu'il a été nommé exceptionnellement. Donc, on a tenu compte de son parcours, de ses mérites, en fait. Il ne faut pas oublier qu'Eddy Kappen, à un moment donné, je crois, à moins que je me trompe sur la date, au mois
d'octobre 1988, il a eu à remplacer Joseph Kabila en tant que chef de l'armée. Il était capitaine, il a remplacé Joseph Kabila. Et donc, les chefs de l'État, c'est... Cet acte qu'il a posé, c'est un signal de la cohésion nationale. Est-ce que ce n'est pas la Parce que Eddy Capen, n'oubliez pas. N'est-ce pas la peur de. Si vous voulez me parler, si vous voulez me parler de la peur de John Numbi, parce que qui parle de John Numbi. Après, on a vu une parade militaire. Qui parle de John Numbi. Après, c'est un dîner. Qui parle de John Numbi avec les officiers. Et puis. Qui parle de John Numbi voit. Qui parle John Numbi voit Joseph Kabila. Qui parle de John Numbi. Voit le grand Katanga, parce que c'est un Katangé, qui parle de John Numbi. Là, on dirait aussi des mecs qui voient Tiwewe. Voit le M23, parce qu'on sait que John Numbi est en connivence avec les M23. Et qui parle de John Numbi. S'il te plaît, j'ai dit qu'il parle de John Numbi, voit Joseph Kabila, parce que nous connaissons la relation qui est entre John Numbi et Joseph Kabila. Mais nous ne devons pas aussi oublier que Eddy Capen, qui a été nommé par Tshisekedi, est cousin au feu père de Joseph Kabila. Très bien. Ça veut dire que si Tshisekedi a peur de John Numbi, il ne pouvait pas nommer Eddy Capen. Très bien. Parce que nous connaissons la relation qu'il y a entre John Numbi et Joseph Kabila. Nous savons aussi la relation, bien sûr, entretenue par John Numbi et Joseph Kabila. Et donc cela nous pousse à comprendre qu'il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça, mais il a simplement... prise en compte les mérites de John Numbi, les compétences, qu'est-ce que je vais dire, les compétences d'Eddy Capen, les mérites d'Eddy Capen, et il a réintégré pour que celui-ci puisse servir son pays. Et donc, il faut par contre féliciter Félix Tshisekedi. Merci, vous avez pris le féliciter. Pourquoi? Parce que, contrairement à tout ce que les gens peuvent penser, tribaliste, consort, il est en train d'éprouver. Merci. Il est au-delà de tout ça. Il est le père de la nation. Il agit pour mettre tout le monde ensemble, consolider l'unité nationale. Attendez, vous allez terminer l'émission. Quel est le message derrière la réintégration dans l'armée de l'actuel général Eddy Capen? Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. D'abord, il faudrait. Je reviens un tout petit peu à ce qu'a dit Simon sur ce plateau. Lorsqu'il dit que la Cour constitutionnelle va vérifier l'authenticité et tout ça. Eh bien, ce serait aussi une boîte à Pandore, parce que la façon dont il est dit, ça veut dire que la Cour constitutionnelle va peut-être vérifier aussi certains diplômes des candidats. On voit un diplôme de telle université, il faudrait qu'on vérifie l'authenticité du diplôme venant de telle université. Alors, parlant ici des candidats, Moïse Katumbi, Adé Twitel, Matata Ampogno, n'oublie pas que chacun des camps politiques a quelque chose dans les placards. Parce qu'ici, quand vous parlez... De fait, c'est que n'oubliez pas que Félix Tshisekedi a beaucoup aussi tâtonné, parce qu'il a commencé avec, d'abord quand il arrive, il trouve Joseph Kabila avec la SADC, lui tourne les doigts à la SADC, il va à l'EAC, aujourd'hui on se conne vers un mire, on revient, on attend la SADC doit envoyer les troupes, aujourd'hui c'est les Ouazalendo, on mélange les Ouazalendo avec les bilans du chef de l'État. Bon, si on dit que les bilans du chef de l'État c'est un échec, ce n'est pas parce que nous, journalistes, qui les disons, mais c'est parce que lui qui nous avait donné un indicateur. Il nous a dit, s'il n'y a pas de paix à la partie Est, dites-moi que j'ai échoué. Donc si on dit aujourd'hui que les bilans étaient un échec, ce n'est pas parce que nous avons les indicateurs, mais c'est parce qu'on a regardé l'indicateur que lui nous a donné. Parlant d'Eddy Capen, je pense tout simplement que c'est une récompense, parce que c'est un schéma qui n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, sa sortie s'est passée par là. Vous avez aujourd'hui Eddy Capen avec tous les conforts possibles, on le voit au Katanga. Mais moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Vous savez que ça fait un bon moment qu'Eddy Capen n'a pas... 22 ans sans parler stratégie militaire, 22 ans sans s'entraîner. Peut-être sans s'entraîner, sans beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des militaires qui peut-être à l'époque, parce que vous savez, quand cet acte s'est produit, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui étaient lésés par la façon, parce que n'oublions pas que la justice l'avait condamné, et qu'il y a des militaires peut-être qui étaient lésés, les militaires qui ont compris que le général d'armée était complice de la mort d'un président, d'un chef de l'État, et qu'aujourd'hui, ces militaires-là qui étaient peut-être lieutenants, ainsi de suite, sont devenus peut-être aujourd'hui des généraux, et que voir celui qu'ils ont qualifié comme étant l'un des suspects, revenir aux affaires, eh bien, il faut regarder aussi le climat qui va régner au sein de l'armée. On termine l'émission avec vous. Eddy Capen, c'est quoi le message derrière sa réintégration? Écoutez, ça sent la peur. Ça, je l'ai dit. En âme et conscience, ça sent la peur. Les différentes sorties médiatiques avec l'armée,
Ça sent la peur. Ça sent la peur parce qu'aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles qu'il y a des menaces. Qu'il y a des menaces de partout. Les déclarations, par exemple, de John Numbi, peut-être que nous, on ne les prend pas au sérieux. Mais moi, je sais que le chef les prend au sérieux. Oui, mais les renseignements prennent ça au sérieux. Justement, parce que dans les renseignements, dans les services, même un enfant qui vous menace, il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas innocent le choix de John Numbi et autres. C'est lié à la dernière sortie médiatique du général John Numbi. Mais je pense que faire recours à John Numbi. Eddie Kapend. Eddie Kapend, qu'est-ce que je dis? Faire recours à Eddie Kapend, à mon avis, ce n'est pas résoudre le problème. Aujourd'hui, résoudre le problème, c'est rassurer que la population mange à sa faim, faire en sorte que les militaires que nous avons ici localement soient bien payés, parce que si les militaires sont bien payés, derrière chaque militaire, il y a une famille, vous aurez résolu le problème. Un militaire qui est bien payé sera loyal et fidèle à la nation, parce que j'ai même écouté le chef de l'État dire dans son discours, en échange avec les militaires, que celui qui me sera loyal, je lui en serai reconnaissant. Non, monsieur le président, les militaires ne sont pas loyaux vis-à-vis du chef de l'État, mais très vis-à-vis de la nation. La nation. Parce que monsieur Tshisekedi y passera, mais ces militaires la resteront. Donc voilà ma conclusion. Merci à vous, cher Merveille Baïleng, vous êtes des Perfect Télévisions. Oui. Merci à vous, Ben Kayembe, des Fast Télévisions. Grand merci à vous. Siméon Issako des Cas Info, prochainement, venez attendre. Honorer nos invitations, ça nous fera. Mais j'ai en une minute, je me redonnais ici la contre-vérité de la sénatrice Luissé, l'épouse au sénateur Evariste Boshab, du haut de la tribune au Sénat, et elle a dit des choses pas justes au sujet d'un territoire, la Okassa, du territoire des Dékessé, dont je suis originaire, alors qu'elle n'est pas originaire des Dékessé. Okay. Et s'est mise à raconter des histoires pour raconter une fausse situation des Dékessé, dire qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a des tueries là-bas. Dékessé, les gens s'entretuent, l'administrateur du territoire s'est mis à arrêter des gens alors qu'il ne vérifie pas les faits. Eh bien, j'ai dit simplement que la dame a menti. Elle ne connaît pas la situation du terrain. Je sais qu'elle s'est fait duper par certains politiciens mal intentionnés du coin. Elle s'est servie du Sénat pour pouvoir faire passer ses messages. Très bien. Elle a exigé qu'il y ait une commission qui peut descendre sur le terrain pour enquêter sur la situation. Effectivement, nous exigeons qu'il y ait cette commission qui puisse descendre sur terrain, enquêter sur la situation, pour effectivement vérifier et confirmer que la dame a menti et qu'elle a été dupée par certains politiciens du coin qui veulent noircir la situation sécuritaire de là, peut-être pour leurs intérêts. Très bien. Mais est-ce que leurs intérêts n'ont encore avoué? Et donc, cette dame, je pense qu'elle ne mérite pas d'être représentante. On a des élus, merci. Des élus. Merci. Voilà. Elle doit s'amender, sinon elle aura la colère de la population. Ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était Perfect Press, le rendez-vous du décryptage de l'information par les professionnels des médias. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous allez la retrouver en rediffusion aujourd'hui samedi à 22h et puis demain dimanche, je crois, à 10h. Et Nyota Télévision va nous prendre aussi en relais. Merci, bonne évasion sur les antennes des Perfect Télévision. Au revoir.